Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la famille royale, on va parler de Meghan Markle, on va parler de racisme. Vous savez, vous vous souvenez que Meghan Markle avait dit que quelqu'un avait posé une question inappropriée sur la couleur que son enfant Archie aurait. Et lorsqu'elle a révélé ça lors de son interview avec Oprah Winfrey, les gens se sont énervés, les gens ont commencé à l'accuser en disant qu'elle mentait, que non, la famille royale n'est pas raciste, que les gens autour de la famille royale ne pouvaient pas dire ce genre de choses. Non, c'est impossible. Meghan Markle a dû se tromper. Ils étaient peut-être curieux de la couleur qu'aurait le bébé, comme le sont toutes les personnes qui sont des proches de couples mixtes et tout ça. Ils ont essayé de tourner tout ça à n'importe quelle sauce pour prouver que non, la famille royale n'est pas raciste. Mais qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Il y a une femme qui s'appelle Ngozi Fulani. Elle est la directrice d'une fondation de charité contre la violence des femmes qu'elle a ouverte dans l'est de Londres. Elle assistait hier à un événement organisé par la famille royale, par Camilla. C'était une sorte d'événement pour la promotion, pour la lutte contre les violences domestiques. Et justement, elle était là en tant que responsable d'une fondation qu'elle a créée elle-même. Tout se passait très bien jusqu'à ce qu'elle parle à une certaine Lady Susan Hussey, qu'elle a elle-même nommée HS. Cette personne-là était curieuse de savoir qui était Ngozi Fulani, apparemment. Mais le problème, c'est que c'est son comportement qui est un peu bizarre. Donc, elle a commencé par toucher les cheveux de Ngozi sans lui demander son avis. Normalement, quand vous voulez toucher les cheveux de quelqu'un, et même ce n'est pas normal de toucher les cheveux de quelqu'un, on dirait que ce n'est qu'au noir et au non-blanc que ce genre de choses arrive. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller toucher les cheveux d'une brune aux cheveux lisses ou d'une blonde sans lui demander son avis. Pourquoi est-ce que les noirs ne font pas ça? Ça, c'est une question que je me pose. Mais cette dame s'est crue autorisée de toucher les cheveux de cette jeune femme et de lui poser la question « D'où viens-tu ?» À cela, la femme a répondu ben, « Je viens de Hackney ». Mais elle répond « Mais d'où viens-tu » Elle dit « Oui, je suis britannique ». La femme a demandé encore « Mais tu viens d'où? Tes parents viennent d'où ?» Ce genre de questions qui rendent vraiment mal à l'aise. Jusqu'à ce que Ngozi a dit « Voilà, mes parents viennent des Caraïbes, ils sont arrivés en Angleterre dans les années 50 et la plupart de mes frères sont nés ici, nous sommes nés ici. » Et la femme, Madame Lady C, a fini par dire « Ah voilà, finalement on arrive à la réponse. » Elle avait d'ailleurs même dit « De quel pays d'Afrique venez-vous » C'est un scandale, pourquoi? Parce que premièrement, elle a mis cette femme, Ngozi, mal à l'aise. Parce que quand vous posez la question à quelqu'un sur ses origines, et que la personne vous dit, voilà, je suis du pays dans lequel nous sommes, je suis par exemple britannique, je suis par exemple français, je suis par exemple française, je suis par exemple italienne, vous n'allez pas lui demander, mais d'où viennent tes parents? Si la personne voulait parler de son héritage ethnique, elle l'aurait fait dès le début. Si vous voyez qu'elle ne le fait pas, c'est parce qu'elle ne souhaite pas forcément rentrer dans ces détails-là, et ce n'était pas le lieu pour ça. Elle s'est sentie interrogée, et c'est le genre de questions vraiment qui mettent mal à l'aise. C'est pas qu'elle reniait ses origines, mais c'est qu'on ne pose pas ce genre de questions dans un tel événement à ce moment-là et de cette façon-là, comme si c'était un interrogatoire de la police. Donc Ngozi, finalement, a posté sur Internet un message, sur Twitter, disant que oui, la soirée s'est bien passée à Buckingham Palace, mais vraiment, ça a été gâché par une certaine Lady SH qui m'a approchée, qui a touché mes cheveux pour voir mon nom et qui m'a posé des questions sur mon appartenance ethnique. Donc ça a fait la une de tous les journaux. Il faut dire que Internet a beaucoup poussé les choses, hein, parce qu'au début, quand elle avait dit ça, personne ne n'en parlait dans les médias. Il aura fallu que ce soit viral pour que les gens en parlent. Donc quand elle a dit ça, les gens commençaient à dire que c'est pas normal qu'une femme du palais de Buckingham puisse se comporter de la sorte. Il faut rappeler que cette femme, Lady Susan Hussey, n'est autre que la marraine du prince William, une très bonne amie de Camilla, très proche du prince Charles, et c'est d'ailleurs pour ça que le prince Charles l'avait nommée parmi son équipe. Elle était chargée de s'assurer de l'organisation des événements à Buckingham Palace. Incidemment, c'était cette femme à qui avait été confiée Meghan Markle pour qu'on lui montre ben, Buckingham Palace et les règles de la société anglaise. Donc, cette femme qu'on a découvert ayant des préjugés, étant raciste. Et voilà, donc ça fait un scandale en Angleterre. Les gens finissent par dire que voilà, Meghan Markle n'avait pas tort de dire qu'il y avait du racisme dans Buckingham, si ce n'est de la famille royale elle-même. Ce sont des gens qui sont autour, les gens, les hommes en gris ou les employés d'un certain âge qui ont été embauchés. Et ce qui a rendu l'expérience de Meghan Markle dans la famille royale assez difficile. Non, voilà, je me demande maintenant s'ils vont continuer à dire que Meghan Markle est une affabulatrice, qu'elle a menti sur la famille royale, que la famille royale n'est pas raciste. On se demande comment les choses vont se passer. En tout cas, les gens maintenant appellent la famille royale, au prince Charles, de s'exprimer dessus. La famille royale a été assez rapide de publier un communiqué en disant qu'ils sont désolés de ce qui s'est passé, ils ne s'attendaient pas à une telle chose et que c'était inacceptable et que maintenant la personne avait démissionné
démissionner. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est de donner le nom de la personne qui était responsable d'un tel comportement. Buckingham n'a jamais voulu donner le nom. Pourtant, quand il s'agit de Meghan Markle et du prince Harry, on leur avait demandé de nommer la personne qui avait été raciste. Mais là, non, rien, c'est pas grave. Il aura fallu que les gens devinent que le SH dont parlait Ngozi n'était autre que Susan Hersey, la marraine du prince William. Donc voilà, ça ce sont encore des exemples de choses qui arrivent à Buckingham Palace, d'exemples de des personnes racistes. Et voilà, les faits parlent d'eux-mêmes. Donc Meghan Markle n'a pas rêvé, elle a été victime de ce genre de comportement à Buckingham Palace. Et je suis sûre qu'elle n'a pas tout dit, qu'elle n'a pas dit tout ce qui s'est passé lors de son séjour à Buckingham Palace. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.